Salut les mecs, c'est Joe, aujourd'hui nouvelle vidéo. Et oui, fallait que je vous parle de ce FIFA 17, les mecs, qui va sortir. Nouveau mode de jeu sur FIFA 17 directement. Squad, Builder, Challenge, vous avez les infos à l'écran. Une petite vidéo tirée de du live de la Gamescom de EA pour FIFA 17. Donc voilà, un grand événement où ils ont annoncé plein de nouveautés. Et moi je vous ai... j'ai décidé de vous présenter une de ces nouveautés que j'ai trouvé majeure sur le jeu. Il y en a bien sûr plein d'autres, je vous laisserai les découvrir tout seul sur internet, etc. Alors le but de ce nouveau mode de jeu, c'est de construire une équipe avec, on va dire, des critères. Par exemple, là, vous avez un de ces challenges, comme ils appellent ça. Ils appelaient ça le Gamescom Challenge, vu que c'était lors de la Gamescom 2016. Et donc là, vous aviez comme challenge de mettre au maximum 4 nationalités, 2 ligues, 3 joueurs or au minimum. Une team avec un général de minimum 60, avec un chemistry de minimum 50, donc pour ceux qui ne parlent pas anglais, chemistry c'est le collectif, donc un collectif au minimum de 50, et un nombre de joueurs dans l'équipe de maximum 6 joueurs. Voilà, donc en fait vous faisiez l'équipe, bien sûr là vous voyez qu'il y avait des postes qui n'étaient pas disponibles, donc pour construire cette équipe, et en gros vous devez essayer de répondre au challenge, et si vous répondez bien au challenge, je crois qu'à la fin vous aviez une très belle récompense. Voilà, vous aviez un Marco Reus, attendez, je l'avais juste sous les yeux, vous avez quand même une très belle récompense, un Marco Reus avec une carte spéciale, un pack spécial MLS et 5000 crédits. Donc voilà, alors bien sûr tous ces joueurs que vous mettrez dans l'équipe seront des joueurs que vous aurez acheté vous-même avec votre propre crédit. Vous ne pourrez pas mettre par exemple des Ronaldo juste parce que YOLO, on achète Ronaldo. Ce seront vos vrais joueurs à vous que vous pourrez packer dans les packs. Ça va pas changer ça, les joueurs que vous avez, ou c'est les packs ou si tu l'achètes avec tes crédits. Et donc si vous réussissez un challenge, vous aurez donc un Marco Reus, un pack ou etc etc. Je me rappelle dans le live il avait eu David Villa, si je me trompe pas, Castro. Donc voilà, des cartes un petit peu meilleures ou des cartes pour améliorer votre équipe. Donc voilà, un nouveau mode de jeu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi qui va me donner extrêmement envie. Vous allez avoir un maximum de challenge, parce que je vais en faire à l'infini sur la chaîne. Je vais tous les faire, c'est clair, dès qu'il y en aura un nouveau qui sort, il apparaît sur la chaîne. Voilà, ça c'est un truc que je trouve génial, parce que ça permet de parler foot, de choisir des joueurs, etc. Je trouve ça génial. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous kiffez ce nouveau mode de jeu, si vous le trouvez intéressant, pour le peu que je vous en ai montré. Je vous montrerai quelques petites vidéos et quelques petites photos. Donc voilà, un mode très sympathique. Donc voilà, c'est clairement pas un mode qui va révolutionner le jeu, mais moi je le trouve très intéressant. Et je trouve que ça donne un nouveau côté à Ultimate Team, un côté plus professionnel, entre guillemets. Sans oublier bien sûr ce mode challenge qui va arriver, enfin comment ils appellent ça, le mode compétition qui va être très intéressant, qui va permettre de se défier vraiment à de haut niveau. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu et que tu veux plus de vidéos news FIFA 17, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait plaisir, les 1000 likes pour cet épisode. Et donc les gars, on se laisse là-dessus. C'était Joe, bye.